Le 8 mai, mobilisation de toute la jeunesse contre les armées d'occupation. Un moment, on a commencé à travailler ici chaque jour, chaque soir, 17h30 à peu près. On commence 17h30, 18h. Donc, on a lancé, on a fait un appel, on a fait à l'AG, on a fait un appel parce que on va mettre en place une action qui va consister à commencer à geler les avoirs des dictateurs africains ici. Et il nous fallait des compétences juridiques, des avocats qui sont expérimentés en matière de droit international, de droit financier, parce que c'est une action, ça rentre dans le cadre d'une action pour commencer à geler par rapport à ça. Et on a aussi à mettre en place un processus d'éducation populaire, parce que je pense que ça ne serait pas demain qu'on va réformer toute l'éducation nationale, et il nous faut mettre ça en place. On aimerait qu'il y ait parmi nous des volontaires, des personnes qui veulent travailler sur ces questions parce qu'il faut informer. Il faut informer l'opinion publique sur ce qui se passe. Parce que nous, la France-Afrique, nous la définissons toujours comme un État. Un État dont les limites territoriales nous échappent. Un État dont l'architecture institutionnelle est très complexe, mais dont on connaît la monnaie officielle qui est le franc CFA et dont on connaît le mécanisme de défense et de sécurité qui est l'armée française. C'est pourquoi même notre lutte, nous l'avons résumée sur deux piliers. Sur le pilier économique, nous parlons de la question des accords, des différents accords de coopération qui sont signés entre la France et certains pays africains. Nous parlons de la problématique de la monnaie coloniale du franc CFA. Et sur le plan militaire, nous parlons de la présence militaire permanente de la France en Afrique. Dans ces cadres-là, le 8 mai déjà, nous partirons d'une grande marche, d'une grande mobilisation internationale qui partira au métro Sèvres et le Courbe. Métro Sèvres et le Courbe à partir de 13h30. On va se diriger vers le nouveau complexe du ministère de la Défense, le nouveau Pentagone. Parce que pour nous, la souveraineté de l'Afrique est perpétuellement remise en question. Même aujourd'hui, je pense que la question du Burkina Faso, la question du Sénégal sont des questions qui sont revenues encore sur la table. Parce qu'après une révolte, le processus n'est pas allé jusqu'au bout. Même après, si je remonte encore le cordon ombilical du temps avec lui-même, qui a déclenché ce processus, le camarade Thomas Sankara, le processus n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. Donc il y a un travail qui continue, que l'on doit continuer. Et parmi ces piliers-là, c'est cet état-là, la France-Afrique, qui nous pose problème. Et cet état-là nécessite que l'opinion publique française, l'opinion publique africaine, soit suffisamment informée, suffisamment formée sur ces questions pour que tous ensemble, nous puissions créer une synergie et une force capable de pouvoir faire reculer cela. Parce que même là, si nous sommes ici pour, parce que nous sommes à la nuit debout. La nuit debout, vous savez tous, c'est la loi, le charabia juridique El Khomri qui nous a d'abord poussé à nous mettre debout. Mais ce charabia juridique n'est qu'une partie de l'arsenal juridique de tout ce système-là. Parce que derrière, c'est l'ensemble de toutes ces politiques d'austérité. Ces politiques d'austérité qui aujourd'hui les technocrates de Bruxelles imposent au peuple de l'Europe de manière générale. Mais qui en réalité sont des politiques que l'on a subies autrefois en Afrique, qu'on a appelées des politiques d'ajustement et de réajustement structurel, préconisées par le FMI et la Banque mondiale, qui ont totalement dilapidé les économies africaines. Donc il faudrait qu'aujourd'hui l'on trouve cette conjonction, comme on dit ici souvent, la convergence de lutte, pour que tous ensemble nous puissions créer un contre-pouvoir. Parce qu'il ne faut surtout pas laisser entendre, il ne faut surtout pas laisser penser que seules les institutions internationales, que seules les agences gouvernementales, que seules les institutions étatiques ont le pouvoir de décider sur l'avenir qui est nôtre. Donc nous devons créer ces contre-pouvoirs pour être capables demain d'inverser la tendance et être capables demain de changer toutes ces politiques que nous décrions. Donc dans cette commission, nous vous invitons, nous demandons aux personnes qui ont des compétences, aux personnes aussi qui sont volontaires pour venir s'informer, parce que nous avons remarqué après 3 semaines de travail sur le terrain,
qu'il y a pas mal de personnes qui, je ne sais pas si c'est de manière consciente ou inconsciente, rejettent ces questions. Les limites territoriales de la France-Afrique, c'est dans notre subconscient. Parce qu'il y a des choses que nous sommes en train de faire ici dans notre quotidien qui sont l'émanation de ces politiques de la France-Afrique. Les politiques économiques de la France-Afrique avec l'ensemble des multinationales ou des entreprises d'État 40 qui vont en Afrique imposer des contrats léonais, juteux pour eux, pour les économies occidentales, mais qui d'une manière ou autre paupérisent les populations africaines, mais ces bénéfices aussi échappent à la population française. Comme nous avons l'habitude de nous dire chez nous, nous avons réussi à faire la différence entre la France oligarchique, cette France oligarchique qui aujourd'hui bénéficie de tous ses dividendes, et la population française qui parfois est victime aussi, elle, de toutes ces politiques. Donc, cette commission est ouverte. Quand on parle de la France-Afrique, elle est ouverte. Elle est ouverte vraiment à toutes et à tous. Vous venez, vous travaillez avec nous, donc on est ici tout le jour. On commence 17h, donc 18h. On est là, on fait la ronde. La parole est ouverte, la parole est donnée à tout le monde. Nous, on travaille conséquemment pour commencer à solutionner ces problèmes. Donc, le 8 mai, n'oubliez pas, on a des flyers, on va vous passer. Le 8 mai, n'oubliez pas, parce que commencer à fragiliser le pouvoir militaire de la France, c'est commencer à fragiliser ces politiques. Parce que toutes ces politiques, si vous remarquez bien, ne peuvent s'appliquer d'autre part que s'il y a une armée. Parce que ce sont des politiques qui ont été imposées. Et à chaque fois que l'Afrique a eu la bénédiction d'avoir certains fils et filles qui ont été capables de dire non à ces politiques, vous connaissez la suite, c'est des déstabilisations. La liste est longue s'il faut commencer par des assassinats multiples qu'il y a eu par rapport à tout ça. La liste est longue s'il faut commencer par des régimes qui ont été déstabilisés et consorts. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, merci. Ah d'accord, il y a... We'll be right back.